Alors voici un exercice assez sympa. On nous donne un x réel et la matrice A que voici, donc des 1 partout, sauf sur la diagonale, vous n'avez que des x. Et on nous demande pour quelle valeur de x est-ce que cette matrice A est inversible. Pour montrer qu'une matrice est inversible, on a pas mal de techniques calculatoires, mais notamment on a la recherche d'une réduite de Gauss, c'est-à-dire qu'on va faire subir à A des opérations élémentaires successives. Ça va nous donner des matrices successivement les unes après les autres. Et on va essayer de trouver comme ça une matrice triangulaire, supérieure ou inférieure, on s'en fiche. Et ensuite, on va regarder les coefficients diagonaux de cette matrice triangulaire. Et si jamais il y a au moins l'un des coefficients diagonaux de cette réduite de Gauss de A qui est égal à 0, s'il y a au moins l'un des coefficients diagonaux qui est égal à 0, ça veut dire que cette réduite de Gauss, elle n'est pas inversible, et donc ça veut dire que la matrice A qui est ici n'est pas non plus inversible. Alors là, la technique qu'on va adopter, bien sûr, c'est la technique du pivot de Gauss, ok? C'est-à-dire qu'on va essayer de virer ce terme-là, on va essayer d'annuler ce terme-là, et aussi ce terme-là en une seule étape. Mais on se souvient qu'avec la méthode du pivot de Gauss, il y a quand même une condition à respecter. C'est que votre pivot, il doit être différent de 0. Sauf que là, si vous voulez annuler ça et ça à l'étape d'après avec une opération élémentaire, quel pivot est-ce que vous allez obligatoirement utiliser? C'est lui, c'est x, c'est le x qui est ici, dans la première ligne. Sauf que ce x, c'est un réel un peu quelconque et on ne sait pas à quoi il est égal, ce x. Peut-être qu'il est égal à 0. Peut-être que on va trouver à la fin que x va valoir 0, je sais pas, etc. Et donc ça veut dire que le calcul qu'on aura fait juste avant, eh ben, il sera pas forcément licite, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut qu'on s'arrange pour trouver un premier pivot dont on est certain qu'il est différent de 0. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Et bien là, ce qu'on va faire, c'est une opération élémentaire dont on n'a pas tellement l'habitude en réalité, mais qui est très pratique, c'est qu'on va intervertir la troisième ligne avec la première ligne. Regardez, vous voyez là, qu'est-ce qu'on a fait? On a interverti la première et la troisième ligne. Pourquoi? Parce que regardez, ce qui se passe, c'est que comme ça, donc la troisième ligne qui était ici, elle passe en première position, et la première ligne qui est ici, elle arrive en troisième position. Et donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va pouvoir dégommer le terme qui est ici et le terme qui est ici en utilisant lui là, le 1 qui est ici, comme pivot. Parce que 1, on sait qu'il est bien différent de 0 et on peut bien l'utiliser comme pivot de Gauss. Donc la première ligne, on n'y touche pas. Mais dans la deuxième ligne, là, qu'est-ce qu'on va mettre? Là, ici, on veut avoir 0. On veut avoir 0 ici. Ici, on a un 1. Ici, on a un 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans L2, on va tout simplement mettre L2 moins L1. Voilà, tout simplement. Ici, du coup, on va avoir 1 moins 1, 0. C'était le but. Ici, on va avoir x moins 1. Et ici, on va avoir 1 moins x. Et alors, pour la troisième ligne, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir un 0 ici. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre dans L3? Eh bien, on va mettre, en fait, L3 moins x fois L1. Il n'y a pas de problème, on peut tout à fait faire ça. Parce que si dans L3, vous mettez L3 moins x L1, et eh bien, même si x est égal à 0, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que ça n'annule pas, vous voyez, la ligne L3. Ça ne va rien changer. Si x est égal à 0, ça ne change rien. C'est pour ça que cette étape ici, elle était vraiment, vraiment très importante. Parce que si on n'avait pas considéré cette étape et qu'on avait utilisé x comme pivot pour annuler le 1 qui est ici, là, donc on oublie un peu tout ça, regardez, si on avait voulu annuler le 1, entre guillemets, qui est ici en utilisant x comme pivot, bah, qu'est-ce qu'on aurait voulu dans L3? Et bien, on aurait voulu mettre x fois L3 moins L1, voyez? Sauf que le fait de mettre x fois L3 moins L1 dans L3, bah, c'est quand même prendre potentiellement le risque de mettre dans L3 0 fois L3, moins L1, vous voyez ce que je veux dire? Parce que x, on ne connaît pas sa valeur et donc peut-être que c'est 0. Ça se trouve, x, c'est 0. Donc c'est pour ça que c'est vraiment nécessaire, c'est super important. C'est super important que le pivot ici, là, que vous utilisez, dès que vous utilisez un pivot, il faut qu'il soit différent de 0. Comme ça, vous évitez le risque de mettre dans l'une de vos lignes 0 fois cette même ligne, plus ou moins une autre ligne, mais on ne peut pas mettre dans une ligne 0 fois la même ligne, sinon ça l'annule, vous voyez ce que je veux dire? Bref, du coup, dans L3, on met L3 moins x L1, et donc ici, on va avoir comme coefficient 0. Là, on va avoir 1 moins x fois 1, c'est-à-dire 1 moins x. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 1 moins x fois x, c'est-à-dire 1 moins x au carré. Alors ensuite, à l'étape d'après, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut annuler le coefficient qui est ici grâce à la deuxième ligne. Parce que de cette façon-là, on va réussir à tomber sur une matrice triangulaire qui sera donc une réduite de Gauss de A. Ben là, je ne sais pas si vous le voyez, mais si dans L3, vous mettez L3 plus L2, ça va virer. Parce que si vous faites 1 moins x1 plus le coefficient qui est ici,
x moins 1, ça fait bien 0. Donc l'étape d'après, c'est quoi? C'est de mettre dans L3, L3 plus L2. Donc la première et la deuxième ligne, on n'y touche pas. Et alors dans L3, on met L3 plus L2. Ici, on va avoir 0 plus 0, c'est bon, ça ne bouge pas. Là, on va avoir 1 moins x plus x moins 1, c'est-à-dire 0, ce qu'on veut. Et ici, on va avoir 1 moins x au carré plus 1 moins x, c'est-à-dire moins x carré moins x plus 2. Et donc, on tombe sur cette matrice triangulaire, on tombe sur cette réduite de Gauss-là, où vous avez sur la diagonale 1, x moins 1 et moins x carré moins x plus 2. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? La question, c'est pour quelle valeur de x est-ce que A est inversible? Donc A, elle est inversible si et seulement si l'une de ces réduites de Gauss, donc voilà l'une de ces réduites de Gauss, est inversible à son tour. Et c'est-à-dire que eh ben, tous les coefficients diagonaux de cette réduite de Gauss sont différents de 0. Lui, il n'y a pas de problème, A, il est bien différent de 0. X moins 1, ah ben, il peut être égal à 0. Il peut être égal à 0 dans quel cas? Ben, il peut être égal à 0 si x est égal à 1. Donc si jamais x est égal à 1, vous savez que x moins 1 est égal à 0, et alors ça veut dire que A n'est pas inversible. Puisque ben là, sur votre diagonale, vous auriez ici un coefficient diagonal de l'une des réduites de Gauss de A qui est égal à 0. Et donc c'est pas possible, et donc A ne serait pas inversible. Donc d'abord, le coefficient qui est ici, il nous impose une condition sur x. Pour que A soit inversible, il faut obligatoirement que x soit différent de 1. Donc x, il doit être différent de 1. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a moins x au carré moins x plus 2. Quand est-ce que moins x au carré moins x plus 2 s'annule? Bah pour ça, il faut trouver les racines de moins x carré et moins x plus 2. Alors pour le trouver rapidement, je vous conseille, moi c'est comme ça que je fais, hein. Vous réécrivez le truc comme ça, c'est-à-dire que vous factorisez par moins 1, parce que vous avez un moins devant le x carré et devant le x, ça vous donne moins x au carré plus x moins 2. Et là, c'est assez facile de trouver les racines. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir cette formule en tête, x au carré moins sx plus p, vous savez, x au carré moins la somme des deux racines fois x plus le produit des deux racines, etc. Ça, c'est une technique pour trouver très rapidement des racines simples pour pas avoir à calculer delta ou je sais pas quoi, hein. C'est vraiment... Vous faites ça, x au carré moins sx plus p, ça vous l'avez avec vous et c'est bon, basta, vous trouvez rapidement les racines. Et donc, en appliquant cette formule à ce polynôme-là, vous trouvez que les racines de ce polynôme, il y en a deux, c'est 1 et moins 2. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait écrire ce polynôme sous une forme factorisée. Et alors là, la grande question, c'est pour quelle valeur de x est-ce que ce polynôme-là s'annule? Là, ça se voit tout de suite, c'est pour la valeur 1 et pour la valeur moins 2. Sauf que la valeur 1, on l'avait déjà ici, donc on ne va pas réécrire x doit être différent de 1. Donc x doit être différent de 1 à cause du coefficient qui est ici et aussi à cause du coefficient qui est là. Mais en plus, là, à cause du coefficient qui est juste là, à cause de ce facteur-là, ben il faut à tout prix que x soit différent de moins 2. X doit être différent de moins 2. Parce que là, vous auriez 2 plus moins 2, ce serait égal à 0, et donc tout ça, ça s'annulerait. Et donc, si ça, c'était égal à 0, et bah, vous auriez sur votre diagonale un coefficient égal à 0, et donc A ne serait pas inversible, etc. Donc, pour tout X réel différent de 1 et de moins 2, donc on peut dire pour tout X qui appartient à R privé de 1 et de moins 2, et bien A est inversible. Voilà, ça c'est vraiment un exercice que je trouve très sympa, qui est assez classique en réalité. D'abord, je le trouve super à cause de la première étape qui nous force à intervertir la première et la troisième ligne. Et intervertir les lignes, c'est pas une opération élémentaire qu'on croise si souvent que ça. Le plus souvent, ce qu'on fait, c'est bah, dans L3, on va mettre 5L3, moins 2L2, etc. C'est bon, ça va le faire. Et puis, on pense pas forcément à intervertir les lignes. Là, on est vraiment obligé d'intervertir les lignes parce que sinon, on pourrait prendre le risque de mettre dans l'une des lignes 0 fois cette même ligne plus un certain nombre de fois d'une autre ligne, mais ça, c'est pas possible. Cette opération élémentaire, elle ne serait pas licite. Et puis ensuite, cet exercice, il est quand même assez sympa parce que il nous permet de bien revoir et de bien comprendre, de bien se familiariser avec les réduites de Gauss, la recherche d'une réduite de Gauss par le pivot de Gauss, etc. Et bien comprendre que avec cette matrice triangulaire, les coefficients diagonaux qui doivent être différents de 0, etc., etc. C'est un très bel exercice, je trouve.